Trop chouette. J'adore ce pays. On a commencé Nu et Culotté en 2010. On rentrait Nance et moi de voyage. On était partis chacun de notre côté pour bourlinguer en stop, en hébergement chez l'habitant, donc sur le continent américain. Moi, j'avais fait le tour du continent de cette façon pour aller rencontrer des gens qui travaillaient dans l'environnement, ce qui a donné lieu à mon livre Eco America. Et Nance, de son côté, lui, testait tout un tas de techniques, de bateau stop, de voyager avec un âne, de trouver l'hébergement chez l'habitant de manière spontanée ou organisée par Internet. C'est ce qui a donné naissance à son livre La Bible du Grand Voyageur, avec tout un tas de techniques de voyage. Et quand on s'est retrouvés, il y a eu ce truc de « Allez, on voyage ensemble, on partage tout ce qu'on a appris l'un et l'autre ». Lui, il avait fait du stop sur le toit d'un bus au Guatemala. Moi, j'avais fait du stop sur un wagon de fret aux États-Unis. Donc, on avait envie de partager nos techniques. Et donc, on s'appelle comme ça. Ouais, ça te dit, on se fait un petit voyage, on fait un petit tour d'Europe. Ouais, bon, tour d'Europe en stop. On vient de faire un long voyage en stop. Ça sert à rien de faire des kilomètres pour faire des kilomètres. On pourrait peut-être pousser un peu plus loin la démarche plutôt que le voyage. Allez, chiche, on part sans sac de couchage. Sans sac de couchage? Ok, sans sac à dos. Ah, le bâtard, ah, il me chauffe. Sans sac à dos, sans argent. Clac, 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 clac. Et on allait toujours de plus en plus loin dans le dépouillement, en fait, de se dire, tiens, on se décharge de plein de choses. Jusqu'au moment où il y en a un qui dit, allez, chiche, on part à poil. Genre à poil, ouais, à poil, sans vêtements, sans rien du tout, quoi. On part sans rien, sans chaussures, sans caleçon, et on voit ce qui se passe. Mais c'était du bluff. C'était un délire de deux potes, quoi, juste pour déconner au téléphone. Ok, rendez-vous dans 15 jours à tel endroit, dans la Drôme. Le jour arrive, et bah, ni l'un ni l'autre, on s'est débiné. Donc on s'est retrouvé pris dans notre propre jeu, en fait, on se lance un pari fou, mais aucun de nous n'a osé dire « Ouais, non, en fait, je le sens pas trop, ça me fait peur. » Et on s'est jeté à l'eau, au sens propre comme figuré. Il y a un copain qui nous a pris nos fringues, il est parti. Et nous, on avait juste un petit sac étanche dans lequel on avait, on avait un appareil photo pour pouvoir filmer. On avait nos papiers. Et je crois même qu'on a oublié de prendre notre carte bleue. Pas d'argent, donc vraiment rien du tout. Et on avait notre permis de conduire, parce que l'idée était de partir tout nu de la Drôme pour aller à Paris en décapotable rouge et sortir en boîte. Et donc on a rallié ces deux fils-là en partant dans ce voyage. Au début, on fabriquait des vêtements avec des déchets, des végétaux. Et puis aller à la rencontre des gens. Et c'était marrant parce que quand on est sorti de la forêt, le premier endroit dans lequel on est arrivé, c'était un centre aéré avec plein d'enfants. Oups, c'est pas le bon endroit pour être deux gars qui se baladent à poil, à moitié à poil. Donc on file sur la route, on fait du stop, le premier véhicule qui s'arrête, une dame au volant d'un gros fourgon avec un dragster à l'arrière avec des têtes de mort dans tous les sens, vraiment le truc hallucinant. Et elle nous embarque, elle nous demande où on va, elle n'a pas l'air de tilter sur le fait qu'on est habillé avec un bout de bâche et qu'on avait des tongs qu'on s'était fabriqués avec de la planchette et puis du fil de clôture qu'on a trouvé. Et elle dit, bah voilà, on va sur Paris, mais d'abord on cherche des vêtements. Ah, mais vous êtes à poil. Allez, ben venez, c'est parti, on va chez ma copine. J'avais une amie qui vivait quelques kilomètres plus loin, elle nous a emmenés là-bas. Et on a trouvé des pantalons trop courts, des chemises trop longues, des vieilles charentaises trouées, enfin voilà, de quoi s'habiller, avancer, continuer dans le voyage. Et ça a été tellement fou, cette aventure, à faire du train stop, à faire de l'avion stop, de l'hélicoptère stop, parce que du coup on se donnait le temps d'aller jusqu'à Paris. On a pu tester plein de choses, que là on s'est dit, allez, chiche, on est parti à poil pour réaliser un rêve, et si on partait à poil pour réaliser un film? Donc c'est là que l'idée est venue de contacter une boîte de prod, en l'occurrence Bonne Pioche, et de faire des films avec eux. Vous avez eu envie de partager le rêve que vous avez eu? Pourquoi? Alors, le rêve de voyager, tu veux dire? Ouais. Parce que quand on est rentré de nos voyages respectifs pendant 2 ans à l'étranger, entre 2008 et 2010,
quand on est revenu en France, on sentait tellement en décalage entre ce qu'on avait vécu, les miracles qu'on a vécu sur la route de croiser des voyageurs. J'ai croisé un voyageur qui voyageait à moto comme le Che au travers de l'Argentine et de l'Amérique du Sud. Croisé un endroit donc dans le nord de l'Argentine et quelques jours plus tard, genre, je le retrouve 300 km plus loin au milieu de nulle part, un endroit où il n'y avait personne qui passait. Et là, je vois la même petite moto pop 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 qui arrive, tombée dans les bras les uns des autres. Mais c'est fou quoi. Enfin, et au-delà de se retrouver comme ça au milieu de nulle part, c'était l'échange humain qu'il y avait, une espèce de d'échange avec un cœur ouvert où rapidement on a confiance en l'autre. On fait confiance, les autres ont confiance en nous. Ou de trouver l'hébergement en toquant à la porte des gens, alors que dans ma tête, c'est juste, mais ça marche pas. Les gens, ils ouvrent pas leur porte. Ben si. Et au bout de 3, 4, 5 heures, 8 heures à attendre, à passer la nuit dehors, à attendre, on se dit, non mais le stop, ça va plus marcher là, c'est plus possible, je suis coincé. Et au moment où on se dit, c'est bon, allez, j'arrête, j'abandonne, je continue à pied. En même temps, je garde le pouce tendu. Là, il y a une voiture qui s'arrête. Tu fais, ok, il y a quelque chose qui prend soin de nous, il y a une bonne étoile qui est là et qui s'occupe de nous. Dans la mesure où on fait un premier pas et où on fait confiance, il y a quelque chose qui se passe quoi. Il y a de la magie qui se passe. Et ça, on avait envie de le partager. Parce que quand on est rentré en France, sorti de l'aéroport et dans les kiosques à journaux, mais c'était attentat ici, cataclysme là, le chômage là, le machin, le truc, genre mais comment on fait pour pas devenir déprimé quoi? Ben, moi je suis hypersensible à ce genre de choses et à constamment voir des informations qui éveillent de la tristesse, du deuil, de la dépression, ben, tu m'étonnes qu'on devienne le pays le plus grand consommateur d'antidépresseurs. Parce qu'on se nourrit d'informations qui amènent à de la dépression. Donc j'ai envie de dire, attendez, il y a autre chose aussi. Il n'y a pas que c'est, je les nie pas, effectivement il y a plein de difficultés sur l'environnement, sur le chômage, sur les différences entre les différentes cultures, on n'arrive pas à se comprendre, il y a plein de problèmes, je les nie pas, mais il y a aussi de très belles choses. Il n'y a pas que des gens qui se font assassiner, il y a aussi des gens qui hébergent des voyageurs, des gens qui se font confiance entre eux. Il y a aussi des gens qui se relèvent de grandes difficultés, d'un décès, d'avoir perdu un emploi, de perdre un enfant. On a ces ressources-là en nous. On les a. Et le voyage, moi, m'a permis de réaliser que j'avais ces ressources-là en moi. Et c'est ça que j'ai envie de partager, c'est rappelons-nous la pile nucléaire qui est à l'intérieur de nous. Souvent, on a l'impression qu'on n'est pas capable. On est trop petit, que c'est pas fait pour nous, que c'est pas possible, que ça a déjà été fait. Mais attends, l'humain, il était capable de traverser des océans sur des coquilles de noix avec des voiles ridicules. On était capable de construire des pyramides pharaoniques. On était capable de creuser des tunnels sous des montagnes, des canaux entre des océans, enfin de traverser un continent par des canaux. C'est fou ce qu'on sait faire. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que on n'est plus tant en lien avec ça. Qu'on se résigne facilement à se dire « Ouais, mais non, mais c'est pas pour moi, je suis pas capable. » Je suis pas d'accord avec ça, quoi. Ouais, du coup, pour conclure, pourquoi est-ce qu'on a voulu partager ses rêves? Comme pour porter une vision, la nôtre, une vision du monde. Il y a plein de gens qui portent leur vision. Je vois que ces visions-là ne me servent pas forcément, qu'elles peuvent m'inquiéter, qu'elles peuvent me donner envie de me renfermer chez moi, de fermer ma porte et de voir personne. Et moi, j'ai un autre regard sur le monde et ça me plaît de le partager. Et je vois que ça peut faire du bien à certaines personnes d'entendre ça. Et combien il y a de gens qui sont partis en voyage en ayant vu nos films, en ayant pris un temps à discuter ensemble, je me dis, mais allez voir le monde, quoi. T'as envie de te mettre à la musique, t'as envie de te mettre à la sculpture, mais vas-y, mais fais-le, essaye. Qu'est-ce que t'as à perdre? Au pire, tu te rends compte que ça te plaît pas, puis tu changes, c'est pas grave. Juste, essaye, quoi. On est là pour quoi d'autre? Et du
coup, à partir du moment où vous avez su que nous, on allait faire la même démarche que vous, en vous rejoignant, qu'est-ce que ça t'a fait au final? Ça m'a fait marrer. Je trouvais ça chouette comme idée de, pour nous de se retrouver de l'autre côté, de l'autre côté de notre démarche de voyage où on va vers un de nos rêves, on va vers quelqu'un en particulier. Je pensais à quand on a voulu partir de Bretagne pour aller boire le thé avec un lord en Grande-Bretagne. On cherchait un lord, alors, le lord ne savait pas qu'on le cherchait, mais du coup là je me suis retrouvé dans la position d'être celui qui est recherché et avec cette curiosité de mais comment ils vont arriver jusque là quoi, par qui ils vont passer, parce que vous saviez que j'étais ici pas loin de Langres. Bon, là on est quand même à plus de 40 bornes de Langres, trouver quoi. Avec relativement très peu d'informations, si ce n'est mon nom. Oui, c'est tout. On avait rien d'autre. Quoi. Et du coup, ouais, j'étais hyper curieux et touché aussi. Me dire waouh, il y a des gens qui prennent une semaine de leur temps là, de vos vacances en plus, pour faire ce voyage. Pour, c'est comme si vous vous mettiez dans notre peau à voyager comme nous, en stop. Sans argent. Et du coup je suis hyper curieux de voir votre film, de voir ce que vous avez traversé et donc d'avoir votre regard à vous sur cette aventure. C'est comme si on prenait les mêmes conditions au détail près que vous n'êtes pas parti tout nu, mais dans le voyage c'est la même chose. On prend les mêmes conditions avec deux personnes différentes, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous avez goûté vous aussi à cette magie? Est-ce que vous avez goûté vous aussi à ces doutes, à ces qu'est-ce qu'on fout là, on a froid, et puis hop, d'un seul coup il y a un truc trop bien qui se passe, et puis hop, ça y est, c'est reparti. Genre, ouais, ça a été quoi la vie pour vous pendant ce temps-là quoi. Donc c'est. Ouais, je me suis senti honoré en fait, que vous m'accordiez cette place, que vous nous accordiez cette place. Non, c'est pas là, mais il est dans la même démarche, quoi, dans le même ressenti par rapport à ça quoi. Et tu dirais quoi un jeune qui voudrait partir? Pause. Essaye. Une notion qui est hyper importante pour nous, c'est d'avoir conscience de notre zone de confort. Notre zone de confort, c'est, on en a tous une, c'est ce qui est confortable pour nous de faire. Ça va être les langues qu'on parle, ça va être les lieux qu'on connaît, ça va être les habitudes, les façons de faire. Dans des situations conflictuelles, il y a des gens qui vont résoudre ça par l'humour, d'autres par la fuite, d'autres par l'affrontement. Bah, c'est les façons confortables qu'on a de se tirer d'une situation délicate. Quand on connaît cette zone de confort, on sait que là-dedans, on y est bien. À tout moment, on peut faire un pas en dehors de la zone de confort. L'idée n'est pas forcément de sauter à pieds joints complètement en dehors, parce que c'est là que ça peut devenir dangereux, parce qu'il n'y a pas forcément de facilité à revenir dans la zone de confort où on se sent en sécurité. Mais juste faire un pas, c'est là où on étend cette zone et on entre dans l'inconnu. Concrètement, pour quelqu'un qui n'a jamais voyagé, ça peut être de se dire, allez, on prend les vélos et on part à trois copains et on va juste à 100 bornes et on revient. Ou ça peut être prendre un vol sec pour un pays lointain. Ou ça peut être partir en voyage sans réserver plus que 2 nuits d'hôtel, puis le reste on verra. Ça peut être partir dans un endroit où on ne parle pas la langue, ça peut être partir seul, ça peut être partir sans argent, ça peut être partir, voilà. C'est en fait trouver ce qui est quand même relativement agréable et en même temps ce qui est déjà un petit challenge. Et c'est pas tout de suite se mettre à partir fin fond de l'Amazonie sans vivre, enfin tu vois, moi tu me mets dans cette situation, je suis pas sûr d'en survivre. Et l'idée n'est pas de se mettre en danger. L'idée est de se stimuler, de se challenger pour se découvrir. Et progressivement, étendre cette zone de confort pour être de plus en plus paisible avec la vie, avec les situations que ça nous propose et se sentir bien dans l'existence, quoi. Qu'est-ce que ça t'apporte au final de voyager comme ça? Tu as parlé de se découvrir. Ça m'apporte. Nancy dit souvent, se découvrir, c'est aussi retirer des couches, vraiment au premier sens du terme, quoi. Du coup, moi, ça me permet de retirer des couches de protection, de retirer les armures que je me mets pour me protéger. Pour me protéger des agressions physiques, bien sûr, mais aussi me protéger des agressions plus émotionnelles ou psychologiques.
et du coup de progressivement être de plus en plus léger et de plus en plus flexible et apte, tu vois, à gérer les situations qui me sont présentées, donc à gagner en paix intérieure et en confiance. Plus je rencontre des situations différentes, complexes, plus j'ai dans ma tête de la créativité et de la confiance que « Ah ouais, bon, ça je devrais pouvoir m'en tirer, j'ai déjà vécu un truc un peu comme ça. » Ou « Ok, j'ai jamais vécu ça, mais je m'en suis toujours tiré. » Des fois j'ai perdu des plumes, hein, mais je m'en suis toujours tiré. « Ok, je vais trouver. » Je vais fonctionner le flair et puis des fois ça veut dire aussi faire marche arrière, ça veut dire renoncer, ça veut dire accepter ma petitesse et mes limites. C'est peut-être ça le plus dur. Accepter que là c'est trop dur, c'est trop froid, je suis trop fatigué, j'ai trop peur, je fais marche arrière. C'est aussi ça. Du coup c'est un peu comme faire le tour de moi-même pour apprendre à me connaître et grandir en sécurité, grandir en confiance et du coup être suffisamment bien pour pouvoir donner sans avoir peur d'être pillé ou d'être volé. Moi, si ma vie, tu vois, j'ai assez d'argent pour vivre, je sens que j'ai assez d'amour en moi et autour de moi, je sens que j'ai les biens matériels minimum qu'il me faut, tout le reste de mon temps, le reste de mon énergie, je peux la mettre dans de belles choses qui ont du sens pour moi, et aider d'autres, et créer de belles choses, et vivre de bons moments. Cet homme est heureux. Je sais pas si je suis heureux, ce mot-là, il veut pas dire grand chose pour moi ce mot-là. Être heureux. J'ai pu sentir un immense bonheur à pleurer toutes les larmes de mon corps pendant des heures. À être triste, mais triste. Mais quand je suis en paix avec ma tristesse et que je la vis tout simplement, ouais, là je me sens heureux. Du coup, c'est ça. Pour moi, heureux, c'est pas forcément genre j'ai le smile tout le temps, tout va bien. Non, des fois ça pique et des fois je suis en rogne et des fois je me sens impuissant. Du coup, j'essaie juste d'être en paix avec ce qui me traverse. Genre, ouais, putain, là, je suis en colère, quoi. Là, j'ai une colère par rapport à un truc. Ok, elle est là. Puis je vais vivre avec ça et je vais l'accueillir. Et un peu comme un enfant, t'es en colère? Ok, viens, on va composer avec ça. On va voir ce qu'on va faire. T'as besoin d'aller courir, t'as besoin d'aller crier dans la forêt. Ok, on va aller faire ça. Et je m'accompagne pour juste tout ce qui est là à l'intérieur. Ça n'arrive pas à faire de tort aux autres. Et que ça me fasse pas du mal à l'intérieur non plus. Premier oser. Il y en a un qui me vient là, c'est. Je crois qu'une chose qui a fait que à l'école je me débrouillais pas trop mal, c'est que j'ai rapidement compris que quand j'avais une question, j'étais pas tout seul à l'avoir. Et du coup j'osais la poser en me disant ça va pas être trop ridicule parce que. En fait, quand je posais les questions, je m'apercevais qu'il y en avait 4, 5, 10 autour de moi qui étaient là. Genre une fois qu'on avait la réponse, tu vois. Eh ouais. Donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas compris non plus, ils se posaient aussi la question. Et ouais, ça m'a aidé à avoir confiance en... Ok, là, il y a une interrogation, elle n'est pas ridicule, quoi. Ça vaut la peine de creuser. Et quand bien même ce soit juste pour moi seul, aujourd'hui, j'ose plus poser des questions... ou faire des choses juste pour moi. Mais ça, au début, ouais, je me rappelle que quand j'étais petit, ça avait été un déclic.
Ouais, en fait, on dit pas, très peu de gens osent vraiment poser les questions qui les animent profondément, mais en fait, on se les pose tous, avec des angles différents, mais ben, ça questionne tout ce qui nous entoure, quoi. Et sinon, ma première aventure, je crois que c'est après le bac, je suis allé voir la conférence d'un gars qui revenait d'un tour du monde à vélo avec deux de ses potes. C'était parti trois gars comme ça pendant un an et demi. Ils avaient fait je sais plus combien de milliers de kilomètres. La conférence a duré 3 heures et c'était merveilleux, quoi. De montrer des photos de plein de pays différents, des anecdotes hallucinantes, enfin. Puis l'énergie avec laquelle il racontait ça, mais, ah, j'ai bu ses paroles, quoi. Et en rentrant de cette conférence, je me rappelle que mon père m'a dit « Ouh, toi, ça te donne des idées. » Ah ouais, pas qu'un peu. Parce que j'avais prévu de bosser juste après un boulot d'étudiant, quoi, enfin, un boulot d'été. Je devais bosser dans la boîte de maçonnerie de mon village. Et en parallèle, j'avais des copains qui avaient prévu de partir à vélo jusque dans les Vosges pour aller faire l'ascension du premier col, le col de la Schlourte, et revenir. Et du coup, j'ai repoussé ce job que je devais faire. J'ai rappelé mes potes en disant « Bon les gars, je viens avec vous. » Et c'était vraiment marrant parce que on avait tous dit à nos parents « Ouais, c'est Thibaut qui prend la tente. » Puis Thibaut avait dit « Ah, c'est Seb qui prend la tente. » Puis Seb avait dit « Ah non, c'est Moutz qui prend la tente. » En fait, on est parti sans tente. On avait juste une bâche, nos sacs de couchage. Et on partait à vélo comme ça. On savait pas où on allait. On ne savait pas où on allait dormir le soir, on ne savait pas comment on allait trouver un truc pour un magasin pour acheter à manger. On partait avec de l'argent, mais c'était vraiment hyper rudimentaire. On avait juste ce truc de on trace tout droit, on va vers la montagne, vers les Vosges, on fait notre ascension et on revient. Et là j'ai senti qu'il y a eu un déclic, ouais, de ok, j'ai envie de faire ça, quoi. Ça me plaît. Voyager, d'être dehors, d'être au contact des éléments, de sentir la sueur, de sentir la terre, de sentir les gens. Et après, du coup, il y a eu d'autres voyages qu'on suivit, pareil, à vélo, en canoë, à pied, puis en stop, parce que j'ai eu des soucis de santé quand je faisais mes études. Je crois que j'ai un peu trop picolé, puis je mangeais très mal. Enfin, moi, je prenais pas soin de moi, et du coup mes genoux, mes pieds m'ont dit stop, donc je pouvais plus rien faire, plus marcher, plus de vélo, la piscine vite fait, et c'était terrible pour moi de ah mais enfin quoi, je vais pas, c'était comme devenir handicapé et accroché à un siège, un fauteuil roulant, quoi. Et du coup l'angoisse, quoi. Mais comment je vais faire pour regoûter à cette liberté, genre si je peux plus utiliser mon corps. Donc déjà j'ai commencé à prendre soin de mon corps, à arrêter de manger certaines choses, à arrêter de à grandement limiter l'alcool, et je me suis mis au stop, et c'est comme ça que voilà, je suis parti faire le tour du continent américain, puis que j'ai refait beaucoup de voyages en stop en Europe, en France, et qu'après il y a eu une nuit culottée où on se déplace essentiellement en stop. Alors au début c'était de l'autostop, puis après ben, du tracteur stop, du sidecar stop, du camping car stop, bateau stop, train stop, avion stop, hein, voilà tout ce qui peut se faire en stop, quoi. On n'a pas fait le sous-marin encore, ça on aimerait bien, c'est notre trip avec Lance. Un jour on fera du sous-marin stop, je sais pas pour aller où, mais... Du parapente stop, la montgolfière stop, on va vraiment tester pas mal de trucs.